Donc voilà, aujourd'hui je vous propose une petite immersion de Gabier. Donc découvrir une ascension du Grand Mât en 360 degrés. Alors je vais commencer à mettre le casque. Alors la GoPro est sur un casque. Hop, vous allez pouvoir suivre toute l'ascension avec moi. Hop, et comme ça voir un peu l'équipement du Gabier. Donc les jambes en premier. Pas trop serré, pas trop lâche. Tac, là, ici. Ensuite, dans un premier temps, normalement, on monte au vent et pas sous le vent. Comme ça, on est plaqué sur les haubans au lieu d'être éjecté. Donc là, le vent vient de bâbord, bâbord à mur, je vais monter par ici. Donc je vais passer par-dessus la lisse, monter sur la quenouillette et ensuite faire le contour des haubans. Donc les haubans, ce sont ces cordages noirs ici, ces gros cordages. Et on y mettra toujours les mains. Jamais les mains sur les enfléchures ici, on mettra seulement les pieds. Ici, on se tient bien et on monte. Lorsqu'on débute en tant que gabier, nous avons une ligne de vie ici qui nous permet en fait de nous amarrer tous les mètres histoire d'être en sécurité. Donc lorsqu'on débute, on a pour consigne de démarrer, de se sécuriser tous les mètres. Donc une fois qu'on a un peu plus d'expérience, comme Mickaël en face, vous voyez, on va monter, descendre sans s'amarrer pour aller au plus vite en haut du mât. Donc là, on est le long du grand mât. On va arriver au plateau de Hune, quasiment à 20 mètres. Donc là, vous reconnaissez Quentin, hein, vous l'avez découvert à Cherbourg sur le nœud de boss. Et voilà. Le vrai nœud. Le nœud du boss. Presque. Donc là, gamme de revers, expert ou pas expert, on s'amarre, on sécurise. Et on y va. Donc là, vous allez voir, je vais me pencher en arrière pour pouvoir monter parce que je suis sur les gambes. Il y a un dévers. Donc tout force dans les cuisses, pas dans les bras. Les bras ne font que stabiliser. Hop, voilà, j'ai atteint le plateau de Hune. Je monte. On sécurise. On monte. Et voilà. Donc voici ici sur le plateau de Hune, vous connaissez déjà, hein. Mais là vous le redécouvrez à 360 degrés. Donc le mât à l'arrière, le mât d'Artimon, et devant, face à la Charente, le mât de Misaine. On découvre le grand mât ici, son chouquet, donc le grand bas mât. Ensuite suivra le grand mât de Hune, pour le grand hunier. Et donc voilà, si je me retourne, on est à la poupe, mât d'Artimon, la barre à roue en bas. Donc on voit que le mât d'Artimon est vachement plus bas, il est beaucoup moins haut que les autres, 37 mètres. Et là on va monter quasiment à 40 mètres parce qu'il n'y a pas le grand perroquet. Je vous laisse admirer la vue, je vais passer un peu à l'avant du plateau de Hune pour que vous puissiez vous projeter en tant que gabier. Là je suis tout à l'avant, donc si vous avez le vertige, voilà. Donc voilà, je suis juste au-dessus, on voit les étés, hein. Les étés, ce sont ces cordages qui maintiennent les mâts dans l'axe et les haubans, hein, d'une façon longitudinale. Allez, on monte encore plus haut. Donc voilà. Hop. Hop là, la caméra. Ah merde, je t'avais pas vu. Ça descendait de côté en même temps. Hein? Donc Cécile, une gabière également. T'as navigué sur quel leg, rappelle-moi Cécile?
3 et 4 cette année. 3 et 4 cette année. Donc un beau leg aussi. Donc l'aller à Rouen et le retour de Rouen. C'est ça. Avec l'Armada. Cool, cool, cool. Ouais, merci. Allez les amis, on continue. On monte de plus en plus devant, puis on monte. Donc on comprend l'intérêt hein, d'avoir des mâts toujours plus hauts, des voiles toujours plus hautes pour aller chercher des vents. Sur le pont de Gaillard, on n'avait quasiment pas de vent. Là, on commence vraiment à bien le sentir. Là, ça respire. Hein. Les enfléchures sont de plus en plus fines. Forcément, le hauban est de moins en moins large. Les galobans me gênent un petit peu. Les galobans, c'est ceux-là. Hop là. Donc la sécurité. Une longe. Et donc nous voici ici tout en haut. Pour le moment il n'y a pas plus haut. Hop, je me sécurise toujours partout. Parce que là, je suis concentré à pas trop à mes gestes, plutôt à filmer. Donc c'est toujours de chercher des points de sécu. Là c'est pas un point de sécu, on voit bien, hein, ça coule, ça va glisser partout. J'aurais bien aimé m'accrocher ailleurs. Bon. Nous mettre debout. Donc toujours je le fais en deux temps. Voilà. Ah, je peux pas m'accrocher plus haut, il n'y a pas de ligne de vie qui traîne. Bon, je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Hop là. Et là voilà, je suis amarré, donc je suis en sécurité. Et voici la vue qu'on peut avoir du haut du grand mât. Imaginez encore le grand perroquet qui vient ici. Hein. Donc on a une voile qui vient quasiment 5 mètres plus haut. Hein. On est au point le plus haut. On retrouve la clé de mât de perroquet ici, pardon, en bas là, sous moi. Ici, on le retrouve là. Et on imagine ce mât de perroquet, grand perroquet qui vient ici. Et qu'on vient bloquer après la clé de une ici, enfin la clé de mât, pardon, qui vient bloquer ici. Et hop, le mât qui ressort ici par le chouquet. Donc on redécouvrira des éléments qu'on connaît. Hein. Ici, le palais des congrès de Rochefort, la Charente, la Corderie Royale et le jardin des retours des Amériques, la Stelia pour l'aéronautique, et devant vous, hein, le mât de misaine qu'on retrouve encore là. Avec les barres de perroquet, le plateau de Hune, ses étés et ses haubans. Donc voilà, on contemple, on surplombe Rochefort et c'est toujours une vue dont on ne se lasse pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, cette ascension. On va faire la descente. Allez, zou, pour descendre. Là, je me marre aussi par là. Là, il faut se concentrer, toujours être vigilant. Toujours savoir où est-ce qu'on s'amarre. Hop là. Donc, on descend tranquillement sur les enfléchures.
Donc d'ici, les gens paraissent tout petits, hein, sur le pont. Allez, tout. Hop, le plus dur, c'est de ne pas se coincer les pieds là-dedans. Vous voyez, les dents-fléchures sont très petites. Ça s'élargit après en descendant, mais voilà. Donc cette ascension a été filmée avec une GoPro Max. Pour la petite pub, pour le petit essai matériel. Je pense que le rendu va être pas mal. On va être sur une qualité d'image GoPro stabilisée, donc vous ne devrez pas avoir trop de tremblements, à part mes mouvements de tête. S'il faut quand même que je regarde où je vais, j'essaie de garder la tête la plus droite possible pour que ça soit le plus immersif pour vous. Avoir toujours le même angle. Hop. Et voilà. Retour sur le plateau de Hune. Passage des gammes de revers. Donc là, je m'amarre. Et pareil, je vais chercher la première en fléchure. Je descends du plateau. Toujours pareil, à dévers. Hop. Là, pas le pied là. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, c'est bon. Fais des nœuds avec la caméra, ça va pas le faire. Et voilà, une belle vue du mât. Et on redescend tranquillement. Le long des enfléchures, donc vous voyez, hein, tout le temps les mains sur les haubans, jamais sur les enfléchures. De manière à ce que s'il y a une enfléchure qui casse sous mes pieds, je puisse me rattraper, maintenir. Pas être surpris. On stabilise avec les bras. Et c'est les jambes qui forcent. Voilà, c'était la petite ascension de l'après-midi. Ça fait de l'entraînement. Et puis, vous, ça vous projette un peu dans cette aventure qu'est l'Hermione, cette aventure humaine et maritime. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt sur le chantier et sur ma chaîne. Allez, à bientôt, salut !